Et cette fois-ci, nous lisons dans Matthieu 21, les versets 28 à 32. Qu'en pensez-vous ? Un homme avait deux fils. Il s'adressa au premier et dit : Mon enfant, va travailler dans la vigne aujourd'hui. Celui-ci lui répondit : Je ne veux pas. Plus tard, il fut pris de remords et il y alla. L'homme s'adressa alors au second et lui dit la même chose. Celui-ci répondit : Bien sûr, maître, mais il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père ? Ils répondirent : Le premier. Jésus leur dit : Amen, je vous le dis, les collecteurs de taxes et les prostituées vous devancent dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous par la voie de la justice, et vous ne l'avez pas cru. Ce sont les collecteurs de taxes et les prostituées qui l'ont cru. Et vous qui avez vu cela, vous n'avez pas eu de remords par la suite. Vous ne l'avez pas cru davantage. Nous chantons à présent le psaume 23, les trois strophes. Aide-nous, Seigneur, à être à l'écoute de ce que tu veux nous dire ce matin. Aide-nous à faire silence en nous pour que ta parole nous rejoigne là où nous sommes et qu'elle parle à notre cœur. Que par ton esprit, le passage de l'Écriture que nous avons écouté devienne bonne nouvelle pour nos vies. Dans l'Évangile de Matthieu, cette petite histoire que nous venons d'écouter, excusez-moi,
vous pouvez vous asseoir. Vous n'allez pas m'écouter debout. Et il y a un jeu d'orgue entre les deux. Il y a un petit jeu d'orgue, Valérie. Et puis il y a encore excusez-moi. Je suis vraiment désolée. Allez-y. Alors, je reprends, excusez-moi de m'être emmêlé les pinceaux. Donc, on est dans l'évangile de Matthieu, et Jésus raconte cette petite histoire de deux fils qui ont une attitude bien différente après son entrée à Jérusalem. Cette entrée dans l'évangile de Matthieu, elle est décrite par l'évangéliste comme ayant suscité l'enthousiasme des foules. Ensuite, Jésus va jusqu'à la cour extérieure du temple, où il va provoquer un incident qui perturbe le culte au temple, en empêchant en fait les vendeurs de vendre les animaux nécessaires au sacrifice. Et au moment où on entend cette histoire, que je vous ai lue auparavant, Jésus est au milieu de controverses avec les pharisiens et les scribes. Dans l'évangile de Matthieu, les pharisiens et les scribes sont deux types de personnages qui permettent à l'évangéliste de cristalliser l'opposition du judaïsme traditionnel du premier siècle au mouvement que représentent Jésus et aussi Jean-Baptiste. Dans l'évangile de Matthieu, les pharisiens et les scribes, ce sont les théologiens de l'époque, ce sont ceux qui étudient les écritures juives, en particulier la Torah, et qui les interprète. Et ce sont aussi les adversaires impitoyables de Jésus. Le portrait de ces pharisiens et de ces scribes est noirci par Matthieu à cause du contexte dans lequel l'évangile est écrit et des problèmes que la communauté autour de Matthieu affronte. En effet, comme vous le savez, Matthieu compose son récit environ 50 à 60 ans après l'activité de Jésus en Galilée. Cette époque, les années 90-80, est une période agitée pour le judaïsme. Jérusalem et le Temple ont été détruits par les Romains quelques années auparavant, et les Juifs sont dans une période de réorganisation, justement parce qu'ils ont perdu l'une de leurs institutions les plus importantes, le temple. Le mouvement de Jésus, qui est convaincu que Jésus est le Messie et qu'il inaugure donc une nouvelle phase dans l'histoire d'Israël, fait partie de ces groupes qui réfléchissent à la meilleure façon de continuer les pratiques et les traditions juives après la chute du temple. À cause de ce contexte, il n'est par exemple pas étonnant que Jésus, dans l'évangile de Matthieu, est présenté comme un nouveau Moïse. Si vous vous souvenez, au début de l'évangile de Matthieu, c'est le moment où on a l'histoire de la fuite en Égypte. C'est aussi l'évangile où Hérode s'oppose très fortement à la famille de Jésus. Et ça, ça correspond évidemment à l'enfance de Moïse. Et dans l'évangile de Matthieu, c'est aussi là qu'on a le sermon sur la montagne, où Jésus va monter sur la montagne, justement, et il va redonner la loi au peuple juif. Tous ces éléments construisent Jésus comme une nouvelle figure de Moïse. Dans ce contexte, c'est non plus pas étonnant du coup
que Jésus soit présenté comme étant dans des controverses violentes avec les théologiens de l'époque, les pharisiens et les scribes. On est dans un conflit de la meilleure façon de comprendre la loi. C'est dans ce contexte donc que nous trouvons ce petit récit. Et au cœur des discussions entre Jésus et ses théologiens se trouve pour Matthieu la question de l'autorité de Jésus. La question de savoir qui est-ce qui représente correctement la volonté divine. Il s'agit au fond de savoir qui a une vision correcte du judaïsme de l'époque. Et pour l'évangéliste, il n'y a aucun doute, ceux et celles qui se mettent à la suite de Jésus représentent la meilleure compréhension du judaïsme. Cette petite histoire, donc, de ce père qui a deux fils, intervient au milieu de controverses quant à l'autorité de Jésus. Et elle sert, cette histoire, à affirmer la primauté de l'autorité de Jésus, son lien particulier avec le Dieu d'Israël. Et elle sert à lui assurer à Jésus un certain statut dans le contexte des rivalités entre différents mouvements juifs après la destruction du Temple. Et une des spécificités du mouvement de Jésus à cette époque-là, ce qui le distingue, si vous voulez, d'autres courants du judaïsme à l'époque, c'est que pour Jésus, mais aussi pour Jean-Baptiste, il est nécessaire qu'il y ait un changement radical dans le peuple juif pour montrer sa fidélité au Dieu d'Israël. Il faut que le peuple juif se repentisse, change radicalement pour se mettre à la suite du Messie et pour témoigner de sa fidélité au Dieu d'Israël. Cette prédication de la repentance, si elle marque profondément le message de Jésus, elle n'est pas complètement nouvelle pour l'époque. C'est la même chose qu'on trouve, par exemple, dans le langage des prophètes de l'Ancien Testament. Sans cesse, ils demandent au peuple d'Israël de se repentir. Et c'est aussi évidemment présent dans les différents récits de tribulation du peuple d'Israël au désert pendant l'Exode. Dans notre passage qu'on a entendu auparavant, elle se retrouve dans le langage du remords. Le fils qui dit non, qui se rebelle, est pris de remords et finit par accomplir le travail demandé par son père. Alors dans le contexte des controverses avec les pharisiens, je crois que ce texte n'est pas très difficile à comprendre. Il indique que ceux et celles qui accomplissent véritablement la volonté de Yahvé, la volonté du Dieu d'Israël, ce ne sont pas ceux et celles qu'on identifie traditionnellement comme tels. Ce ne sont donc pas les théologiens du judaïsme, mais c'est précisément ceux qui se mettent à la suite de Jésus, qui reconnaissent leur péché. C'est pour ça qu'on a la mention des collecteurs de taxes et des prostituées, qui auraient été vraiment l'incarnation du péché, si vous voulez, pour les juifs à l'époque. Donc ce sont ces personnes-là qui se mettent à la suite d'un petit groupe de juifs radicaux, à la suite de Jean-Baptiste, à la suite de Jésus, qui représentent réellement la volonté divine. Donc on a une histoire dans son contexte historique qui sert à établir la légitimité d'une communauté radicale au sein du judaïsme traditionnel. Mieux vaut être celui qui se rend compte qu'il a fait une erreur et qui accomplit quand même le travail demandé que celui qui pense que de toute façon il a raison et n'a plus besoin de rien faire. Donc c'est clair pour l'histoire que le groupe autour de Jésus va s'identifier avec le fils qui dit non, et que l'histoire critique ceux qui acquiescent simplement à la volonté du Père, mais ne complète pas cet acquiescement avec des actes. Alors moi aussi, je me suis toujours identifiée avec le fils qui dit non, et qui ensuite fait tout de même le travail demandé. Dans mon enfance, j'ai souvent bougonné et maugréé, mais ensuite je faisais généralement ce qui m'était demandé. Je ne pense pas que j'avais réellement un moment de prise de conscience qui m'amenait au remords, mais j'avais, disons, suffisamment le sens du devoir pour faire ce qu'on me demandait. Et même, je dirais, peut-être que ma maman ne serait pas d'accord, mais à la longue, j'en suis même arrivée à dire oui et ensuite à faire ce qu'on me demandait.
Aujourd'hui, j'ai une fille de 11 ans qui me fait penser au premier fils. De manière générale, elle n'aime pas tellement le conflit. Elle aime faire plaisir. Elle dit oui, généralement, sans râler, sans maugréer, sans rancœur. Mais ensuite, il est assez rare que sa chambre soit véritablement rangée, ou ses devoirs faits, ou même que ses dents soient brossées. Et jusqu'à ce que j'aie cette expérience avec ma fille, cette parabole était assez facile à lire pour moi. Je me sentais justifiée dans mon identification avec le fils qui dit non. Bien sûr que c'est lui qui a raison. Bien sûr que ma façon de faire est la meilleure. Je savais ce que le texte voulait dire et que j'avais raison dans ma façon de le lire. C'est toujours un peu dangereux, ce genre de réaction, ce genre de certitude. Et aujourd'hui, à la lumière de l'attitude de ma fille, je lis cette parabole un peu différemment. J'essaye, au sortir de la frustration que l'attitude de ma fille provoque parfois en moi, de me mettre à sa place, de me mettre à la place de la fille qui dit oui, c'est-à-dire le moment d'avoir un peu plus de filles dans la Bible, et qui ensuite ne fait pas ce à quoi elle a acquiescé. Je la regarde, cet enfant qui ne fait pas suivre sa parole d'acte, avec les yeux pleins d'amour d'un parent, qui a envie qu'elle réussisse, qui a envie que son parcours dans la vie soit le plus paisible et le plus satisfaisant possible. Je la regarde avec les yeux d'un parent qui aime ses deux enfants avec le même amour. Et à la lumière de ce regard, je me dis comme elle est dure, cette histoire. Comme elle est dure, cette histoire, pour la fille qui ne sait pas dire non à ses parents, qui n'a pas envie de dire non, et qui pourtant ne sait pas toujours comment faire ensuite pour agir comme il faudrait. À la lumière de ce regard de parent, ma perception du récit change. Je sais bien que ce n'est pas vraiment ce que le Jésus de Matthieu avait l'intention de dire. Pour la communauté de Matthieu, comme je le disais plus tôt, il importait de pouvoir montrer que ceux qui disaient oui, ceux qui semblaient représenter le choix logique, le judaïsme des autorités, ce choix n'était pas le bon choix. Il fallait plutôt se tourner vers une communauté minoritaire, composée de gens qui s'étaient repentis à la suite de Jean-Baptiste, puis de Jésus, et incarnaient un renouveau dans le judaïsme. Dans ce contexte, je ne pense pas que la communauté autour de Matthieu se souciait tellement de ceux et celles qui disaient oui et ne parvenaient pas ensuite à faire ce qu'elles avaient promis de faire. Mais voilà, aujourd'hui j'ai rencontré ma fille et ma perception sur cette histoire a changé. Aujourd'hui je pense à ceux et celles qui disent d'accord, ok, ça marche, qui promettent et qui se retrouvent ensuite incapables de se montrer fidèles à leurs promesses. Alors bien sûr, à la sortie d'une période électorale agitée, après l'expérience encore pas si lointaine de la présidentielle américaine l'année passée, avec les élections présidentielles et législatives françaises qui se terminent, les gens qui promettent et qui n'agissent pas abondent et n'ont pas vraiment bonne presse. Mais je me demande si cette histoire peut aussi nous inviter à réfléchir à ce personnage qui est éjecté de l'Évangile aussi vite qu'il y est entré, ce fils qui acquiesce à la volonté du Père, mais ne fait rien pour l'accomplir. Dans notre réception de ce récit ce matin, que pouvons-nous faire pour ce fils oublié et rejeté? Nous qui savons qui des deux est le meilleur frère, qui des deux a fait la volonté du Père? Comment pouvons-nous réfléchir avec ce frère rejeté? Déjà, il me semble important de dire que cette histoire qui force à choisir entre l'un des deux fils, qui nous place un peu dans la position d'un père qui aurait à dire lequel des deux fils il préfère, me dérange un peu. La parabole ne va pas exactement dans cette direction. Elle ne nous dit pas explicitement que le père préfère un des fils à l'autre. Elle explique simplement qui a fait la volonté du père et qui ne l'a pas faite. Et comme c'est une histoire, elle ne se préoccupe plus ensuite du destin des personnages.
Pourtant, ce récit et l'évangile de Matthieu dans son ensemble ont eu des effets très destructeurs. Plus tard dans l'histoire de l'Église, quand on est sorti d'une dispute qui se produisait au sein du judaïsme, l'évangile de Matthieu, avec d'autres textes du Nouveau Testament, a permis aux pères de l'Église notamment, et à la tradition chrétienne ensuite, d'affirmer la supériorité du christianisme sur le judaïsme, de dire que désormais le peuple élu, c'était les chrétiens, qu'ils avaient réussi là où les juifs avaient échoué. Cette réception des textes du Nouveau Testament est extrêmement problématique, évidemment, et elle va contre l'ancrage historique de ces textes dans le judaïsme du 1er siècle. Elle découle en partie, du moins, du jugement qui est présent dans certains textes du Nouveau Testament, et notamment dans le récit de ses deux fils. Il y a un fils, en groupe, qui fait les choses de manière juste, et il y a un fils, en groupe, qui se fourvoie et qui sera condamné. Le but de cette histoire, on l'a compris, c'est le jugement. Comment peut-on réfléchir à cette histoire dans ce cas, en essayant de sortir de cette logique de jugement, en essayant d'abandonner un schéma « eux contre nous » ? Comment peut-on lire ce récit en prenant au sérieux le fait que pour que l'Évangile soit une bonne nouvelle, ça serait mieux si c'était une bonne nouvelle pour tous et toutes? Il me semble qu'une façon de réfléchir à cette autre lecture est de penser à ce personnage qui dit oui et qui ensuite abandonne. Comment faisons-nous pour l'aider? Je pense à ma fille et à ce que je pourrais faire pour changer un peu sa façon d'affronter les choses qu'elle n'a pas envie de faire. Je me dis qu'en premier, il faudrait lui permettre de dire non. La repentance, le remords dans l'histoire viennent en premier parce que le fils a pu dire non. Il faudrait pouvoir montrer au fils qui dit oui que le conflit, le fait de ne pas être d'accord, le fait de résister et même de râler ne signifie pas forcément la fin d'une relation. Il est possible de partager ce qu'on ressent, ses colères, ses émotions et ses frustrations. Et que la beauté d'une relation dans laquelle on a confiance, dans laquelle on place sa confiance, c'est qu'elle ne s'arrête pas avec la colère. Là encore, l'histoire d'Israël, qui précède et informe celle de Jésus dans l'évangile de Matthieu, offre des exemples. Combien de fois le peuple élu n'a-t-il pas protesté pendant son errance dans le désert? Et pourtant, ces protestations et ces colères ne mettent pas en définitive en péril la relation avec Dieu. Parce que le Dieu de la Bible est d'abord un Dieu de fidélité. Il se montre fidèle à ce qu'il promet. Il s'engage dans une alliance qu'il ne va pas briser, même s'il a parfois besoin de Moïse dans le désert pour le lui rappeler. Cette fidélité, elle est du côté de Dieu, bien sûr, mais elle est aussi du côté des êtres humains. Quand on place sa confiance en Dieu, on fait justement confiance que nos actions, nos refus, nos hésitations n'interrompent pas la relation avec Dieu, qu'il y a toujours la possibilité de revenir vers lui, de se retourner, de changer. Il me semble que la bonne nouvelle de l'histoire que Jésus raconte, ce n'est pas notre sentiment de satisfaction et de devoir accompli à chaque fois qu'on a râlé et maugréé et qu'ensuite on a quand même fini par faire la vaisselle, sortir les poubelles, passer l'aspirateur et suspendre la lessive. Non, la bonne nouvelle de cette histoire, quand je la lis à la lumière du visage de ma fille, c'est qu'il y a un Dieu en qui on peut avoir tellement confiance qu'il y a des moments où on a même le droit de dire non. On peut protester, on peut refuser, on peut se mettre en colère, et pourtant la relation avec Dieu n'en est pas terminée pour autant. Pour moi, c'est la bonne nouvelle qu'il faut annoncer à l'enfant qui dit oui, qui a peur de décevoir et qui se trouve incapable de faire ce qu'il a dit qu'il ferait. La bonne nouvelle, c'est qu'il peut dire non, et dans ce non, il trouvera peut-être justement la force de faire ce qui semblait impossible à faire.
Cette force ne vient pas du sens du devoir ou d'un sentiment de culpabilité, mais elle est là parce qu'il ou elle a en face d'elle un Dieu qui ne se décourage pas, un Dieu qui n'interrompt pas la relation, un Dieu qui attend, bien plus patiemment qu'un parent humain d'ailleurs. Si Dieu est le parent de cette histoire, il est un parent qui dépasse nos représentations humaines, qui ne se lasse pas devant nos refus et nos limites, qui ne choisit pas entre ses deux fils, mais qui aime, qui persévère et qui prend le temps d'apprendre à l'enfant qui dit oui, qu'il est parfois permis et possible et peut-être véritablement salutaire de dire non. Amen.